Hola! Oh, pardon. Bon, j'espère que vous allez bien, petite menace. Il est 8h07 et on a décidé d'aller courir. En fait, hier, je disais à ma belle-sœur que je voulais aller courir. Et mon frère disait à ma belle-sœur qu'il voulait aller courir. Donc apparemment, ça s'est organisé comme ça. Et voilà quoi. Moi, je cours pas du tout. J'ai un super mauvais cardio. Du coup, aujourd'hui, je vais apprendre à courir. Je vais vraiment y aller à mon rythme, hein, même si je suis pas mon frère. C'est pas grave. Mais... C'est pas tes oreilles ça. Donc ouais, je vous tiens au courant, mais je vous ce vlog et à plus tard. Bon les amis, je suis rentrée, je vous l'ai pas dit parce que j'ai tout enchaîné, là il est midi et quelques. Et je voulais vous montrer quelque chose, j'ai reçu un super colis maison. Coucou Tanguy. Coucou. Avec ton bras. J'ai remis un Marcel aujourd'hui. Il est jeune ton bras là. Et ouais, là le bleu commence à s'estomper, du coup le bleu devient jeune. Ça fait bleu jusqu'ici. Vous vous rendez compte, c'est complètement ouf. Et t'as-tu jamais commencé à faire des croûtes? Ça grattait un peu, alors c'est normal que ça gratte parce que ça, en fait, oui. Ça évacue le particulier de tatouage et les cloques de brûlure commencent à disparaître, donc ça va. C'est une bonne nouvelle. Ça fait quoi? Ça fait 4 jours? Ouais. Vendredi, oui, samedi, ça fait dimanche, pas longtemps, hein. Lundi, 4 jours. Ouais, donc voilà, l'update du tatouage du Tanguy. Merci Tanguy. C'est intéressant, n'empêche, hein. Attends, il n'y a pas de témoignage comme ça sur YouTube, moi j'en ai jamais vu, bah je me suis jamais renseignée. Mais bon, c'est intéressant je trouve. Et donc, je vous disais, j'ai reçu un colis Kenty Home. J'aime trop ce site de décoration, il est canon vraiment. Tous les articles sont vraiment trop beaux. Enfin, en tout cas, c'est vraiment mon style et probablement le vôtre. Donc, j'ai reçu plein de couverts. En fait, j'ai reçu 6 de chaque. Donc, couteau, fourchette, petite cuillère, cuillère à soupe en noir. Et 4 de chaque, des couverts en doré. Et je les trouve tellement beaux. Franchement, trop jolis. Je sais pas ce que vous en pensez, mais la forme des cuillères... Enfin, c'est incroyable. Même la forme des couverts en eux-mêmes, mais ils sont beaux, ils sont tout en longueur. Et c'est vrai que je craque beaucoup, beaucoup pour ces cuillères à soupe et à café. Donc voilà, c'est super bien emballé, si jamais ça vous intéresse. Je vous les ai pas toutes sorties, hein. Je vais toutes les sortir pour aller les mettre au lave-vaisselle, là. Mais je les avais gardées pour vous les montrer. J'ai reçu le colis il y a quelques jours quand même maintenant. Je trouve ça trop beau. Et j'ai aussi reçu... On a enfin un tapis, les gars. Kentium m'ont envoyé des photos et m'ont dit « Noémie, choisis un tapis. On va t'envoyer un tapis pour ta table basse. » En fait, je trouvais pas... Ça faisait un moment que je vous en parlais. Et j'ai jamais trouvé le tapis qui me plaisait vraiment beaucoup. Donc j'ai choisi celui-ci. Alors je sais pas s'il est encore sorti sur le site. De toute façon, je vous mettrai le lien de Kentium en barre d'infos. Et moi, j'ai choisi une taille plus grande pour glisser sous le canapé. Parce que je trouve ça vraiment très beau. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça trop joli. Ça va vraiment bien avec le salon. Enfin, vraiment, je suis pas du tout déçue de mon choix. Je suis trop contente. Je trouve ça trop beau. Donc, merci Kentium si vous passez par là. Ça me fait trop plaisir. C'est trop gentil. Salut tout le monde. Alors là, on vient de recevoir un colis. Donc, c'est un meuble. Donc, c'est Noémie qui s'est occupée de ça. Je sais pas du tout d'où il vient. Elle avait eu des bons d'achat. Du coup, elle avait pu commander un meuble. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais le monter. Donc, pour monter un meuble, de quoi avons-nous besoin? Déjà, nous avons besoin d'un cutter. On tend la jambe pour sortir le téléphone de la poche. Pour pouvoir mettre de la musique, du coup on a besoin d'un téléphone et d'une petite enceinte. Donc on va prendre le téléphone, on va allumer l'enceinte, on va mettre de la musique, on va ouvrir le colis et après on verra un peu de quoi il retourne. Alors, bon, c'est pas évident de filmer comme ça. Bon, maintenant qu'on a tout déballé, je vais disposer les meubles un peu, enfin les pièces de meubles un peu partout. Je suis allé chercher ma visseuse pour visser. On prend le plan pour faire du plan et on va monter ça, hein. Donc comment ça fonctionne? Du coup, on va prendre le numéro, on sait pas combien, la boîte de vis. Où est la boîte de vis? Didier, boîte de vis? Ouh, je sais pas où elle est. Allez là Didier, ouvre tes yeux, bordel. On prend la boîte de vis, on va l'ouvrir. Bon, la boîte de vis n'a pas envie d'être ouverte. Une fois qu'on a réussi à l'ouvrir, qu'est-ce qu'on fait? On vide la boîte de vis. Donc vous voyez, il y a beaucoup de vis. Il faudrait un tournevis pour bien faire. Et j'ai pas de tournevis. Bon, on se servira de la visseuse. Ensuite, on va prendre... Ça a l'air super simple à monter. Il y a des bruits étranges. Je suis sûr qu'il y a un nid de guêpe soit dans le toit, soit dans le volet roulant. Je sais pas si vous entendez. C'est vraiment étrange. Bon, revenons-en à notre meuble mouton. Nous allons prendre... une planche qui s'intitule comme ça, je crois. Oui, celle-là, c'est une très belle planche. On va mettre des petits trucs comme ça qu'on mettra dans les petits trous prévus à cet effet. On prend des petits trucs comme ça, on les met par terre et on les met dedans. Allez, on les met dedans, on les met dedans, on les met dedans. Je vais aller chercher un tournevis. Vous n'avez pas pu me le dire qu'il fallait un tournevis?
Enfin, bon, allez, on fait ça. Ensuite, on va prendre les petits trucs comme ça. On va les visser dans des petits bouts de bois qui sont derrière moi, là-bas. Et puis après, ça ira. Hein. Allez, je vais chercher un tournevis et je vous reprends après. Bon, maintenant, on va assembler les différents trucs blancs. Donc, on va prendre les trucs blancs qu'il y a de ce côté, les autres trucs blancs qu'il y a là-bas que vous ne voyez pas, et on va tous les assembler. Donc, pour les assembler, comment allons-nous faire? On va prendre le premier truc blanc. On va le mettre comme ça. On aurait pu le mettre dans l'autre sens si on avait voulu, mais bon, moi j'ai envie de le mettre comme ça. Ensuite, on prend ce truc blanc-là. On va espérer que rien n'est cassé. Rien n'est cassé. On va les glisser dedans, comme ça. Hop, hop, hop. On glisse, on glisse, on glisse. Les chevilles se font la malle, c'est normal. Et on serre. Et ensuite, on répète l'opération jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de trucs blancs à assembler. Bon ben voilà, on vient de monter un meuble, donc grâce à cette vidéo, vous ne savez pas plus monter de meuble qu'avant, mais vous m'avez vu tenter de monter un meuble, et j'ai réussi sans trop de difficultés. Donc voilà, je sais pas du tout où est-ce qu'il va aller, donc maintenant ce qu'il reste à faire, c'est passer un coup d'aspirateur par terre. Alors est-ce que on le fait? Est-ce qu'on laisse Noémie le faire? Je me pose encore la question. Pour le moment, j'ai envie de laisser Noémie le faire, et voilà, je vais ranger mes outils, et maintenant ce que je vais faire, moi, c'est que je vais me changer. Enfin, me changer, ouais, je vais changer, je vais enlever mon Marcel, je vais mettre un t-shirt et je vais aller à la salle de sport. Les amis, je vous ai complètement abandonné. Je sais pas quelle heure il est là, mais. Oh, je suis en retard. Faut que je m'en aille, j'ai rendez-vous dans un quart d'heure à la salle. Faut que je m'en aille. Je suis désolée, je vous ai abandonné. Je suis partie voir une amie, je me suis arrêtée à la boulangerie. Je voulais vous parler dans la voiture avant d'aller voir mon amie. Puis j'ai vu une abonnée à la boulangerie et du coup, j'étais dans l'émotion, j'étais super contente de voir une abonnée. Donc j'ai oublié. Je suis vraiment désolée. Je vous abandonne avec Tanguy et à plus tard. Bon les gars, je suis rentrée du coup. Au revoir Tanguy. Au revoir. Tanguy. Oui. En Marcelage 24 du coup avec son tatouage. Enfin avec son détatouage. Du coup on a mis 3 œufs crus. Forcément. Pour faire une omelette. Et on va faire une omelette. Franchement, on fait jamais d'omelette. On avait des œufs, de la ciboulette, des champignons. On va mettre du parmesan. On n'a pas de gruyère. Mais bon, bah, j'espère que ce sera bon. Un peu de sel, de poivre. Du coup, quelle heure il est? 20h30. Pas du tout. 20h10. Donc ça va. J'en ai bien chié au sport. Hein, entre le footing et ça, je suis au bout du rouleau. Donc voilà, omelette. On vous montrera le résultat juste après. Ben voilà à quoi ça ressemble. Ça pas l'air mauvais, hein. Je pense que on va se régaler. Du coup, on va manger ça et puis on va retrouver après. Non, on va avoir la dalle. Je pense. On a tous les deux fait du sport donc. Bon, les amis, j'étais en train d'installer cette étagère là. Je vais pas vous montrer grand chose hein, puisque je vais faire un. Ouh, mise au point. Hein. Je vais faire un rangement maquillage et du coup, je suis en train de tout réorganiser encore et ensuite, je vous ferai un rangement maquillage. En gros, je voulais vous montrer ça. Donc, non pas ce qu'il y a à l'intérieur parce qu'encore une fois, je sais pas du tout si ça va rester comme ça. Mais j'ai reçu ça d'un vendeur Amazon. Je l'ai reçu il y a un petit moment, j'avais pas encore pris le temps de l'installer et tout, et là je viens de l'installer, je trouve ça vraiment pas mal. Du coup je pense à vous le montrer, je l'ai reçu dans un carton comme ça, et ce que j'ai trouvé bien c'est qu'il n'y avait pas de carton supplémentaire en fait. Donc voilà, c'est pas la peine de rajouter un carton sur un carton. J'étais assez surprise parce que c'est pas courant, mais c'était directement, j'ai mon adresse directement collée de l'autre côté en fait. Donc j'ai trouvé ça vraiment très bien, bien plus écologique si je puis dire. Et du coup ouais, j'ai commandé plein de meubles comme ça, entre guillemets, des meubles, des rangements en plastique comme ça. Trop joli, enfin j'ai plein de choses à vous montrer, j'ai plein de choses pour tout réorganiser là, et je vais vous faire le rangement dès que possible, mais ça c'est trop bien quoi. Je vous mettrai le vendeur Amazon parce que j'ai trouvé ça vraiment très bien. Je sais pas si vous voyez là, mais il y a 2 étagères. En fait les étagères vous les retirez comme vous voulez et vous les remettez comme vous voulez. Alors là je vois rien du tout. C'est amovible, vous mettez vraiment comme vous le souhaitez. Vous voyez ici j'ai mis une brume donc forcément je voulais quelque chose de plus haut. En haut vous pouvez mettre des tas de choses, vous avez plein de rangements.
Vous voyez, ici j'ai pu mettre des baumes à lèvres que j'aime bien utiliser. Clarins, toujours, vous savez. Clarins Forever. Je suis en train de m'étouffer. Mais du coup, ouais, j'ai pu mettre vraiment, vraiment beaucoup de make-up dedans. Je m'y attendais pas. C'est des choses que j'utilise pas si jamais je les vois pas. Donc du coup, ouais, je suis contente. Vraiment, je suis très contente de ce meuble-là. Je le trouve joli. Au niveau du prix, je me rappelle plus, mais ça m'a pas perturbée. Donc je vous mettrai le lien en barre d'infos et je suis ravie. Sur ce, je vais vous laisser là comme ça sur ça. Voilà, hop, au moins c'est réglé. Je vous fais des millions de bisous les amis. Tant qu'ils se joignent à moi pour vous souhaiter une bonne journée, un bon week-end, une bonne semaine, une bonne nuit. Peu importe à l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo, mais sachez qu'on vous aime fort. On vous fait des gros bisous et on vous dit à bientôt. Bisous!